Mais de misère, il fait un froid à pierre fondre. Ah, on s'en souviendra de l'aventure de Lance à la famine. Et moi qui croyais séjourner à Ville-Marie quelques mois seulement. Ah, si vous n'étiez pas là. Allons donc. Je travaille pour rien. Rétablir l'équilibre des finances? Redonner confiance aux colons? Impossible, monsieur. Impossible. Et vous voyez, je m'y emploie depuis un an. Impossible. Il ne faut pourtant pas lâcher. Mais vous voyez bien que la barre s'ingénie à mettre des bâtons dans les roues. Ah, ça. Vous ne sauriez croire à quel point il est devenu méfiant, hargneux, intrigant. Vous voulez que je vous dise? Eh bien, la colonie, il s'en moque. Non. C'est peine perdue. J'y renonce. Que voulez-vous dire? Ce serait lâcher le manche après la cognée. Oh, je m'en garde bien. Il faut obtenir le rappel de la barre. Ah. J'ai fait parvenir une lettre à Versailles. Et j'ai tout lieu de croire. Mais vous n'y pensez pas. Pourquoi? C'est sûrement une de ces créatures qu'il remplacera. J'y ai pensé. Il faudrait faire parvenir une pétition à la cour. Il faudrait la signature de tous ceux qui ont participé à l'expédition de la famine, surtout celle de Charles Lemoine. Je ne doute pas que tous les habitants de Montréal la signeront. Mais comment la faire parvenir à la cour en ce moment? Entrez. Que monsieur le gouverneur me pardonne, mais le marchand Lemoine est au plus bas. Et M. Lebert demande s'il n'y aurait pas lieu de prévenir son Excellence. Le gouverneur général? Mais pourquoi? Je ne sais pas, je ne fais que transmettre la demande. C'est bon, vous pouvez disposer. Eh bien, on peut dire que tout va de mal en pis. Item, le fief de Châteauguay et dépendance, 10 000 livres. Item, le fief au bout d'en haut de l'île de Montréal, 650 livres. Item, la maison Lemoine rue Saint-Paul à Montréal, 12 500 livres. Item, la pointe Saint-Charles, avec 60 arpents de terre labourable, 5 000 livres. Item, le fief de Sainte-Hélène dans l'île, 800 livres. Item, les intérêts de la Compagnie du Nord, 4 400 livres. Item, les intérêts du fort Frontenac, 1100 livres. Item, 1100 minots de blé expédiés en France à l'automne, 2700 livres. Item, redevance des colons de Ville-Marie, 2333 livres. Item, redevance des sauvages, 2500 livres. Item, lettre de change envoyée en France, 5409 livres. La somme totale de la brisée et estimation du présent inventaire se monte donc à 125 868 livres. Sur quoi votre succession devra la somme de 8 755 livres. Voilà, c'est tout. Désirez-vous apporter des corrections? Je suis toujours à votre disposition. Je n'ai que la rue à traverser. Je ne vous dérangerai plus, notaire. Oh, faut pas parler ainsi, croyez-moi. Le printemps va vous ravigoter. Ma Jeanne prie bien fort. Il va guérir, tu verras. C'est cette expédition qui l'a tué. J'ai eu beau lui dire. Que veux-tu? Il a toujours bougé depuis son jeune temps. Mon pauvre Charles. Allons, allons, maman. En tout cas, il est plus calme qu'hier. Il te demande. Moi? Il a signé.
Il sent sa faim. Allons, allons, ma bonne Catherine. Un testament n'a jamais fait mourir personne. C'est fini. C'est mon tour. Écoute, mon gars. Toute ma vie, j'ai regardé les choses en face. Je ne commencerai pas sur mon lit de mort à me faire des illusions. Non, je sais ce que je dis. Laisse-moi parler. Bien sûr, c'est Charles qui est le plus vieux. Mais il y a de la famille. Et le voilà installé à demeure à Longueuil. Sainte-Hélène, il a des qualités, mais il n'a aucun penchant pour les affaires. Toi, tu t'intéresses à la Nouvelle-France. Tu sais qu'il ne faut pas trop attendre de Versailles. Et qu'il faut savoir prendre des décisions vite, mais avec prudence. C'est ce que ce pauvre Laberne n'a pas su faire. C'est à cause de lui si la colonie s'en vend des manses, père. Si Versailles ne se décide pas à le rappeler. Je sais. Je sais, mais souviens-toi qu'il y a du vrai dans ce qu'on dit ici. Aide-toi, et Versailles t'aidera, peut-être. C'est nous qui savons ce qui est profitable à la colonie. Il y a 40 ans que je sais ça. Moi qui te parle. Ouais, il faut y aller avec prudence. Bon, c'est bon d'avoir du poil aux yeux, mais il faut savoir aussi ménager les autorités. Tiens, il faut que je te dise, au sujet de Cavelier de la Salle, oui, j'étais dur avec lui. Oh, c'est parce que je l'admirais. Peut-être aussi parce que je l'envie un peu. Tu comprends? C'est un grand explorateur, tu sais. La France est devant un empire. Mais il va aller trop vite. Découvrir, c'est bien, mais coloniser, occuper le sol, c'est encore mieux. C'est ce qu'il nous faut faire. Il faut que les Canadiens s'enfoncent les pieds dans cette terre. Comme des arbres. Tu comprends? Va chercher mon épée. C'est plus précieux de mon héritage. Tu es digne de la porter. Pour le roi.
Pour l'honneur. Pour la justice. Fasse le ciel que je la porte aussi noblement que vous, mon père. Je te connais. Tout ce que je te demande, c'est de veiller sur la Nouvelle-France. L'oncle, le père, veillera sur ta mère, sur les jeunes. Et père. Je sais ce que je dis. Écoute-moi, je vais te demander une dernière chose. Va chercher Charles. Tout de suite. Tout de suite. Allez donc vous reposer un peu, maman. Oh, c'est bon. Je ne pourrai pas dormir. Soyez sans inquiétude, nous allons veiller. Il a raison. Allez vous reposer. Que je traverse à Longueuil chercher Charles. Ce soir? Papa veut le voir tout de suite. Je t'accompagne? Non, reste avec maman. J'y vais, moi. Oui, viens. C'est par là! Please, I lost my friend, the Indian. My friend, please. Il s'inquiète de son compagnon. Va chercher Charles. C'est à quelques arpents. Je t'attends ici. Tiens. Prends ça, ça le réchauffera. Il n'a pas encore repris sa connaissance. Il va mourir? L'Iroquois qui l'accompagnait vient de mourir. Allez vous reposer, on n'y peut rien. Papa est malade. Alors, l'anglais, vous savez qui il est? Non, pas encore. Tu as vu papa? Il est mort.
rationem meam. Beneficio Dei omnipotenti. Per anime erum et anime omnium fidelium sanctorum defuntum. Per misericordiam tua. Requiescant in pace. Amen. Revenu à la vie. Vous avez faim? Yes, beaucoup. Bon signe, bon signe. Les cloches. Beaucoup de cloches. Pourquoi? Des funérailles. Un homme très important. Oh. Mais vous ne m'avez toujours pas dit votre nom. Moore. Je suis pilote de navire. Et même irlandais. Et catholique. Je cherche du travail. Vous connaissez quelqu'un? Il faut voir Monsieur Lebert. Oh, c'est lui qui m'a sauvé la vie? Mais non, c'est Monsieur d'Iberville. Vous ne le saviez pas? D'Iberville, dites-vous. Et là, ne bougez pas. J'ai justement une lettre pour lui. Je peux le voir. Oh, il faudra attendre. C'est justement son père qu'on porte en terre ce matin. Pionnier de Ville-Marie, Charles Lemoine sauva Jeanne Mance et son hôpital d'une attaque iroquoise. Il sauva aussi la colonie de Trois-Rivières. Il fut marguillier de Notre-Dame, procureur de Sa Majesté, écuyer du roi, greffier de la Sénéchaussée de Ville-Marie. Mes bien chers frères, je n'hésite pas à répéter ici ce que M. de Frontenac disait de lui devant la cour. Il a témoigné beaucoup d'affection pour le service du roi, beaucoup de promptitude à exécuter ses ordres. La venue à Ville-Marie de Charles Lemoine fut avantageuse non seulement pour le secours qu'on a tiré de sa langue comme interprète, mais pour les bonnes actions qu'il a faites contre les ennemis, auxquels il a plusieurs fois montrer son courage. Il a bien mérité tous ses titres de noblesse.
Monsieur! Il y a cet Anglais qui veut vous voir. Je l'ai là. Tenez, c'est bien votre nom. Cher d'Iberville, après de nombreuses démarches, j'ai enfin réussi à armer une flottille pour la Louisiane. Je suis parti de La Rochelle en juillet, mais j'ai dû revenir à Rochefort à cause du gros temps et des avaries. Je compte être en Louisiane en janvier. Je te fais parvenir cette lettre par Thomas Moore, un Irlandais qui se cherche du travail. C'est un bon pilote, je te le recommande. Mais ce que je veux surtout annoncer, c'est que le ministre de la Marine parle de révoquer la barre. C'est un certain marquis de Denonville qui le remplacerait. Et c'est signé Robert Cavelier de La Salle. Mes amis, c'est la première bonne nouvelle en 6 mois.